Oui, bonjour à tout le monde. Merci d'être là une fois de plus à nos midi conférences. Donc, je vais vous expliquer d'abord un peu le déroulement de la conférence. Ensuite, je vais me présenter rapidement. Je vais ensuite présenter notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Alexandre Bérubé-Tellier. Nous allons à partir, après l'introduction, nous allons commencer la présentation qui va durer entre 30 et 35 minutes. Nous vous invitons de poser vos questions tout au long de la conférence dans le chat. Nous allons avoir une période de questions de 20 à 25 minutes à la fin. Le tout est d'ailleurs aussi enregistré, donc vous allez pouvoir regarder la conférence en différé et la partager après avec vos amis intéressés. Pour me présenter rapidement, je suis coordonnatrice scientifique chez Agiro, anciennement Appel, et je travaille chez Agiro depuis maintenant plus que 10 ans. Je suis également PDG de Watershed Monitoring et de Watershed Monitoring Europe, professeure associée à l'Université Laval et à l'INRS, et je porte plusieurs chapeaux dans les organismes locaux et internationaux qui visent la protection de l'eau. J'ai le très grand plaisir d'introduire aujourd'hui Alexandre Bérubé-Tellier, qui est un ancien collègue de chez Agiro. Il a un parcours excessivement intéressant et c'est lui qui va nous présenter aujourd'hui l'étude sur l'intégrité écologique du lac Saint-Charles. Donc, Alexandre Bérubé-Tellier est détenteur d'un baccalauréat en sciences biologiques et écologiques de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Il a également un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Donc, vous voyez que la combinaison est parfaite pour travailler en environnement. Et ses diverses expériences professionnelles comme chargé de projet en environnement l'ont amené à travailler dans la gestion de l'eau, de l'évaluation de l'intégrité écologique et de la restauration des habitats fauniques. Notamment chez Agiro, il a travaillé chez Agiro pendant plusieurs années pour réaliser ce qu'on peut facilement qualifier d'une des études les plus étendues sur l'intégrité écologique d'un bassin, d'un lac avec les lacs et rivières qui sont connectés hydrologiquement à ces lacs-là au Canada. En fait, pour vous mettre dans le contexte de cette étude-là, depuis, comme vous le savez probablement, qu'Agiro étudie le lac Saint-Charles, la principale prise d'eau potable de la ville de Québec, de manière très étroite depuis les années 80. Il y a eu une éclosion importante des cyanobactéries en 2006-2007. Par la suite, il y a eu une vaste étude limnologique sur le lac Saint-Charles et les lacs et rivières qui y sont connectés de 2007 à 2009, qui s'était ensuite avec une mise en place d'un programme de suivi de la qualité long terme pour étudier les bons et les mauvaises, les améliorations, les détériorations de la qualité d'eau du lac et des rivières du haut bassin versant de la rivière Saint-Charles. En 2012, on a dû constater que le lac Saint-Charles avait vieilli de manière très rapide. Donc, dans le processus d'eutrophisation, s'était accéléré à cause de plusieurs facteurs, notamment le prolongement de l'autoroute vers le parc des Laurentides, donc des apports importants par les sédiments. Et on a dû sonner un peu l'alarme avec les résultats de la diagnose de 2012. Une des grandes questions qu'on se fait poser depuis les résultats de cette étude-là en particulier, c'est de savoir est-ce que les mesures de protection du lac Saint-Charles qu'on propose, qui sont la réduction du développement dans son bassin versant, la connexion des installations, des maisons qui sont sur installations septiques autonomes en réseau d'égouts collectifs, de réduire aussi les apports de d'autres, des eaux résiduelles des usines de traitement des eaux usées de Stoneham et Tewkesbury, la réduction des sels de voirie, etc., si ça vaut la peine de le faire et si ce n'était pas trop tard pour le lac Saint-Charles pour agir. Donc, Agiro, avec plusieurs partenaires, a étudié cette question-là. Est-ce qu'il est trop tard pour agir? Nous l'avons regardé sous deux volets. Le premier volet, c'est qu'on a commandité une étude sur les sédiments, ce qu'on appelle une étude paléolimnologique, où ce qu'on est capable de retourner dans l'histoire du lac par ses sédiments, à savoir comment est-ce que le lac a réagi dans le passé
aux activités anthropiques, autant le développement, mais aussi des activités qui ont visé à réduire les apports dans le lac. Cette étude-là, peut être consultée dans la diagnose du lac Saint-Charles de 2016 et les résultats étaient que le lac Saint-Charles, étant donné que ses eaux se renouvellent très rapidement, que c'est un lac qui réagit très rapidement autant au mauvais coup de l'humain dans son bassin versant qu'au bon coup. Donc, déjà, cette étude-là nous indiquait que normalement, le lac Saint-Charles va réagir très rapidement et très positivement à toute intervention humaine qui vise à réduire les apports externes en éléments nutritifs, sels de voirie, etc. De l'autre côté, il faut aussi regarder la résilience du système par rapport aux influences qui viennent d'externes, que ce soit les activités anthropiques directes ou, mettons, aussi les changements climatiques. Et pour étudier cette résilience du lac Saint-Charles ou d'un lac tout court, on doit aussi regarder son intégrité écologique, à savoir à quel point est-ce que le lac, qui est un organisme biologique qui se compose de micro-algues, de zooplancton, de poissons, de plantes aquatiques, d'un tout un milieu physique dans son bassin versant, à quel point est-ce que c'est un organisme qui fonctionne bien et qui est capable de résister aux activités humaines, aux influences humaines, et à quel point qu'il est résilient et peut se rétablir suite aux interventions qui visent la réduction des apports externes. Et c'est exactement ça qu'Alexandre Bérubé-Tellier a étudié de 2017 en 2018. C'est une étude colossale avec des nombreux partenaires et j'ai bien hâte de l'entendre. Donc, à vous la parole, Alexandre. Merci Sonia. Donc, je vais vous partager mon écran. Parfait. Sonia, est-ce que tu peux me confirmer que le visuel et l'audio sont bons? Oui, on vous voit très bien, on vous entend très bien. Parfait, merci. Donc, tout d'abord, un grand merci pour l'introduction. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette fameuse étude de l'intégrité écologique du lac Saint-Charles et des milieux qui sont connectés. Une étude là, qui remonte quand même à 2017 déjà, la saison estivale 2017. C'est une étude qui a nécessité la collecte d'un nombre assez impressionnant de données, comme Sonia l'a mentionné. Donc, il y a eu par la suite, là, bien entendu, du traitement de l'analyse et de la rédaction d'un rapport. Donc, d'ailleurs, je voulais remercier mes anciens collègues chez Agiro ainsi que la Ville de Québec d'avoir terminé le travail, d'avoir rendu maintenant public ce rapport. Donc, vous pouvez maintenant le consulter sur le site Internet d'Agiro. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par vous présenter le projet en bref. Donc, l'objectif principal de ce fameux projet, c'était de cumuler davantage de connaissances sur les écosystèmes aquatiques qui sont liés au lac Saint-Charles et d'obtenir une évaluation globale de l'intégrité biologique du territoire. Comme Sonia l'a déjà mentionné, chez Agiro, le programme de suivi de la qualité de l'eau était très bien articulé, très bien complet. Par contre, était principalement basé sur une analyse de la qualité de l'eau en soi, donc principalement les paramètres physico-chimiques et biologiques de l'eau. Je donne des exemples là, les paramètres physico-chimiques, ça peut être notamment les teneurs de l'eau en différents nutriments comme l'azote, le phosphore, ça peut être la turbidité de l'eau, la conductivité, la transparence, bref, pas mal tout ce qui pouvait être mesuré. L'était déjà par Agiro. Donc, le suivi était très complet. Par contre, on cherchait vraiment à aller chercher une couche supplémentaire d'informations en analysant vraiment la composition des organismes qui vivent dans les écosystèmes aquatiques. C'est né d'une volonté citoyenne suite à des consultations publiques. Donc, les gens voulaient vraiment connaître davantage sur justement ces organismes-là. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'utilisation de bio-indicateurs, là, ça fait partie de nombreux grands programmes de suivi un peu partout à travers la planète. Ça nous offre vraiment une vision holistique de la situation de nos ressources en eau.
Donc, je vais vous donner un petit peu là, des définitions de qu'est-ce qu'est un bio-indicateur. En fait, c'est un organisme ou des organismes qu'on veut utiliser pour évaluer l'intégrité biologique d'un écosystème. Donc, l'intégrité biologique, si on veut un petit peu vulgariser, ça va être l'état de santé un peu de notre écosystème. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va utiliser les communautés de poissons pour évaluer la santé, l'intégrité d'un cours d'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord utiliser les caractéristiques écologiques des nombreuses espèces de poissons qu'on retrouve. On connaît déjà ces caractéristiques-là. Il y a certaines espèces qui sont très tolérantes à la pollution, alors qu'il y a d'autres vraiment pas. Donc, on ne les retrouvera pas dans des milieux dégradés. Je poursuis mon exemple. On a une rivière, par exemple, on veut analyser son intégrité écologique. On fait une station d'échantillonnage sur cette rivière-là pour analyser l'état de l'écosystème de l'eau sur ce tronçon-là. Ce qu'on capture comme espèce de poisson, c'est principalement de l'omble de fontaine, donc de la truite mouchetée. Ça va nous permettre de présumer là, que l'écosystème, que la qualité de l'eau sont bonnes. Pourquoi? Parce que cette espèce-là est intolérante aux perturbations, donc n'aime pas les perturbations, n'aime pas la pollution, a besoin d'une eau bien oxygénée, a besoin d'une eau fraîche, donc d'une eau de qualité. On prend la même rivière, on fait une autre station d'échantillonnage, par exemple 40 mètres en aval. Cette fois-ci, on va analyser, on va échantillonner plutôt quasiment juste de la barbotte brune. Ben là, on peut plutôt présumer que l'écosystème est probablement dégradé, du moins qu'on a une qualité de l'eau qui peut être douteuse. Pourquoi? Parce que la barbotte brune, elle, est très tolérante aux perturbations et est capable de vivre dans une eau qui est presque, dont l'oxygène est presque absente. C'est une espèce qu'on peut retrouver sur notre territoire, mais généralement, lorsque la qualité de l'eau est bonne, on va davantage retrouver notre omble de fontaine. Donc, vraiment, on peut voir qu'il y a une dégradation du milieu. Il y a eu un ajout, justement, d'une couche d'information en utilisant ces organismes-là, mais on a également pu émettre des recommandations. Je prends un exemple de, en fait, la Ville de Québec considérait comme projet d'introduire une espèce piscivore au lac Saint-Charles dans le but d'effectuer une cascade trophique pour solutionner la problématique des cyanobactéries au lac Saint-Charles. Puis, ce n'était pas une idée qui était bête. En fait, une cascade trophique, c'est une réaction en chaîne, si on veut, dans la chaîne alimentaire. Donc, je vais vous expliquer davantage en détail. En ensemençant une espèce piscivore au lac Saint-Charles, donc une espèce prédatrice vraiment au sommet de la chaîne alimentaire, on visait à faire diminuer l'abondance des petits poissons que cette espèce-là va consommer. Donc, une fois que cette espèce-là consomme les petits poissons, on a une moins grande abondance de petits poissons, ce qui va se répercussionner maintenant sur le niveau trophique plus bas, c'est-à-dire le zooplancton. En ayant moins de petits poissons qui mangent du zooplancton, on a davantage de zooplancton. En ayant davantage de zooplancton, ça se répercute sur le niveau trophique plus bas, le phytoplancton, donc les microalgues, qui contiennent notamment les cyanobactéries. Donc, en augmentant notre densité de zooplancton, on diminue notre densité de phytoplancton et donc nos fameuses cyanobactéries. Donc, c'était une idée qui était loin d'être bête. Par contre, en analysant notre communauté de poissons au lac Saint-Charles, la communauté actuelle, on a pu voir qu'il y avait déjà une espèce de poisson piscivore qui induisait vraiment une bonne pression de prédation qui était suffisante. Donc, il ne fallait pas en rajouter surtout. Je poursuis en vous présentant le territoire d'étude, donc qui est basé sur la connectivité écologique des milieux. C'est pour ça qu'on parle du lac Saint-Charles et des milieux connectés. En fait, c'est basé principalement sur le déplacement des poissons, donc les organismes qui possèdent le plus grand pouvoir de déplacement parmi les organismes qu'on a analysés, donc les organismes qui vivent dans l'eau. Et les limites de notre territoire vont représenter des obstacles infranchissables pour le déplacement des poissons, donc des obstacles soit naturels, comme une chute de plusieurs mètres de haut, ou encore un barrage, donc un obstacle d'origine humaine. Puis on peut voir sur la carte ici, le fond blanc va représenter notre territoire d'étude. Donc au centre, on a le lac Saint-Charles et puis différents cours d'eau là, qui sont connectés au lac, puis même qui vont quelquefois rejoindre d'autres lacs du territoire.
Je poursuis en vous présentant un peu ce qui a été fait justement lors de cette saison 2017. Donc, on a analysé 5 lacs au total. Le lac Saint-Charles, le lac de l'Âge qui est situé tout juste au nord du lac Saint-Charles, le lac Durand qui est connecté via la rivière des Hurons et la rivière des Trois-Petits-Lacs. Le lac Clément, lui, qui va se retrouver connecté, mais en aval du lac Saint-Charles, donc via le ruisseau du Valais et le lac Caché, qui est un petit lac qu'on va retrouver dans la réserve des marais du Nord, là, donc dans des milieux humides. Pour chacun de ces cinq lacs-là, on a analysé 4 types d'organismes, donc le plancton, soit le phyto et le zooplancton, les herbiers aquatiques et les poissons. Pour ce qui est des cours d'eau, maintenant, bien, on avait 25 stations réparties sur notre territoire. C'est d'ailleurs ce que vous voyez sur la carte là, qui est présentée. Ces 25 stations-là étaient dispersées sur 13 rivières ou ruisseaux. Puis, au travers de ça, bien, on a échantillonné 3 types d'organismes, les diatomées, les macro-invertébrés et les poissons. Et puis, je vais vous parler là, plus en détail de chacun de ces types de bioindicateurs-là. Donc, je commence en vous parlant des résultats en cours d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans la chaîne alimentaire au fur et à mesure. Donc, on va commencer à la base de la chaîne alimentaire avec les diatomées. Les diatomées qui sont des algues microscopiques qui vont tapisser le fond des cours d'eau. Donc, c'est souvent l'espèce de petite couche brunâtre qu'on va retrouver à la surface là, des roches, par exemple. Les diatomées qui sont très faciles à échantillonner, c'est vraiment un des avantages. En fait, on va seulement utiliser une brosse à dents pour récupérer un peu de cette couche brune-là qui est accumulée sur les roches. Lors du projet, on a utilisé l'IDEC, donc l'indice des diatomées de l'Est du Canada. C'est un indice qui est représentatif là, de la qualité de l'eau, mais principalement des apports en nutriments et de la salinité. C'est basé sur la composition des communautés de diatomées. En fait, dans une eau de bonne qualité, on va avoir des communautés, des espèces de diatomées qui vont vivre. Puis, dans une eau de moins bonne qualité, ça va être d'autres espèces. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un indice qui a été développé pour le Québec, donc qui pouvait vraiment bien s'appliquer à notre situation. Ce qu'on peut voir là, sur la carte, c'est la répartition des résultats. Puis on peut voir que l'indice a présenté vraiment une belle sensibilité. Donc, on a des stations qui passent d'une cote excellente à une cote mauvaise. Je poursuis avec nos résultats des diatomées. Donc, le graphique de gauche nous montre les valeurs de l'IDEC pour les stations amont en bleu et les stations aval en vert de chacun des cours d'eau qu'on a échantillonnés, pour lesquels on avait au moins 2 stations d'échantillonnage. Ce qu'on remarque, une tangente universelle dans les rivières qui ont été suivies, c'est une dégradation de l'intégrité des communautés de diatomées dans un principe amont-aval. Donc, sur chacune de nos rivières. Je vous invite à regarder la dernière rivière sur la droite du graphique, donc la rivière Nelson. Cette rivière-là va présenter les plus faibles valeurs de l'IDEC, que ce soit pour la station amont et aval, parmi toutes les rivières qui ont été suivies. Mais au-delà de ça, vont présenter des pourcentages de tératologie très élevés. Et là, je m'explique, les tératologies sont des déformations de la frustule des diatomées. Et vous me demanderez qu'est-ce qu'une frustule? En fait, c'est que les diatomées sont des micro-algues qui sont recouvertes d'une petite carapace de silice qu'on appelle la frustule. Puis, lorsque cette frustule-là est déformée, c'est signe d'un stress environnemental. Donc, c'est normal qu'on observe des pourcentages très bas de tératologie dans les communautés de diatomées, mais passé un seuil, on peut présumer que c'est plutôt synonyme d'une contamination de l'eau. Donc, pour la rivière Nelson, vraiment, on avait passé ce seuil, alors que pour toutes les autres rivières du territoire, on n'avait pas des valeurs si élevées. Donc, c'est signe d'une possible contamination. Je poursuis avec notre deuxième bioindicateur en cours d'eau, les macro-invertébrés. Donc, macro-invertébrés qui sont un groupe très diversifié d'organismes qui, encore là, vont se retrouver dans le fond des cours d'eau. Souvent, vont se retrouver dans les interstices entre les roches. Donc, un groupe qui va regrouper toutes les larves d'insectes. Donc, on a énormément d'insectes qui vont vivre leur stade larvaire en milieu aquatique. Par exemple, la libellule.
On va retrouver également des mollusques comme les escargots, puis même des crustacés comme les on a échantillonné des écrevisses. Puis plein d'autres groupes aussi, là, notamment comme les vers de terre. L'indice qu'on a utilisé, c'est l'indice de santé du benthos, qui est un indice développé par le ministère de l'Environnement, adapté à notre réalité encore une fois, parce que c'est basé sur vraiment les macro-invertébrés qu'on va retrouver au Québec. Une petite note à considérer par contre, le protocole utilisé était le protocole à substrat grossier, c'est-à-dire que les stations d'échantillonnage devaient avoir un substrat qui était composé de roches plutôt que de sable. Donc, ça a limité un peu notre sélection de stations. Comme vous pouvez voir sur la carte, on a 13 de nos 25 stations où on a pu faire l'échantillonnage. Puis, si on analyse nos résultats, on peut voir que l'intégrité des communautés est bonne dans 12 et 13 stations. C'est possible que ça ait été influencé justement par le protocole parce que nos stations avec un substrat grossier, on les retrouve principalement en amont des cours d'eau, dans des milieux là, plus naturels généralement. Tout de même, on a quand même une station qui a présenté une intégrité plus précaire. Donc, c'est notre station qui est située le plus au sud, sur la rivière Saint-Charles, tout juste en aval de la prise d'eau potable. Donc, davantage dans un milieu urbanisé. Mais on ne s'est pas limité à seulement analyser l'indice, donc l'ISB. On a décortiqué un petit peu la structure des communautés de macro-invertébrés. Donc, sur la gauche, je vous présente un graphique qui présente les proportions des grands groupes taxonomiques de macro-invertébrés pour chacune des stations d'échantillonnage. Puis, c'est présenté sous un principe amont-aval. Donc, vers la gauche, on est en amont du territoire, puis vers la droite du graphique, on est en aval du territoire. Donc, nos stations qu'on va retrouver davantage au nord ont été divisées, en fait, on a divisé nos stations en deux groupes, le groupe nord, le groupe sud, comme vous pouvez voir sur la carte de droite. Le groupe nord va davantage être... va davantage regrouper des stations qu'on retrouve en milieu naturel, qu'on retrouve en milieu non perturbé, faiblement urbanisé. Alors que pour ce qui est de notre groupe sud, ben, va englober davantage des stations là, en milieu urbanisé. Ce qu'on remarque, si on retourne au graphique de gauche, c'est qu'il y a un changement dans la structure des communautés. Donc, si on regarde nos groupes taxonomiques, intolérants aux perturbations, ça va être nos groupes en bleu pâle. Donc, on peut voir une diminution de leur proportion, de leur proportion vraiment entre le groupe nord et le groupe sud. Donc, vraiment une diminution au profit des espèces qui sont davantage tolérantes aux perturbations, qui vont être représentées sur la graphique en orange et en rouge. Donc, vraiment, si on regarde la station complètement sur la gauche, on peut voir une très grande proportion en bleu et bleu pâle, puis une faible proportion en orange, alors que si on va complètement à l'autre bout de notre graphique, ben, c'est l'inverse. On a une grande proportion de nos espèces tolérantes en orange et en rouge. Donc, un effet territorial dans la structure des communautés. Je termine en vous parlant de notre troisième bioindicateur en cours d'eau, donc les poissons. On a échantillonné 18 stations sur nos 25, donc en faisant de la pêche électrique dans les cours d'eau. Ça nous a permis de développer un indice d'intégrité biotique exploratoire. Donc, parce qu'il n'y avait pas d'indice biotique qui pouvait s'appliquer à notre réalité, à la réalité du territoire du lac Saint-Charles. Donc, cet indice-là est basé sur 4 métriques. Les métriques, en fait, ce sont des caractéristiques des communautés de poissons. Donc, par exemple, notre pourcentage d'individus d'espèces d'eau chaude, ben, lorsque le pourcentage est élevé, c'est synonyme d'une intégrité qui est basse parce que ça englobe davantage des espèces qui sont liées aux perturbations, comme je parlais tantôt de la barbotte brune. Par contre, le pourcentage d'individus d'ombre de fontaine, ben, là, c'est synonyme d'une bonne intégrité. Donc, davantage... associé à des stations là, avec une belle qualité de l'eau. Si on regarde nos résultats maintenant,
On peut voir que nos stations situées au nord du territoire vont présenter vraiment une belle intégrité des communautés de poissons, tout comme les deux stations, ben, en fait les trois stations qu'on retrouve en amont de la rivière Nelson. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que ces stations d'échantillonnage-là étaient composées principalement d'individus d'ombre de fontaine. Ça nous permet en même temps ben, de voir dans quel tronçon on a des belles populations d'ombre de fontaine et de recommander peut-être des aménagements futurs pour s'assurer de maintenir une belle qualité de pêche pour les pêcheurs sportifs. Je passe maintenant à la présentation des résultats en lac. Donc aujourd'hui, on va prendre l'exemple du lac Saint-Charles pour expliquer un peu comment est-ce qu'on a fait. Voici le design expérimental un peu de nos stations d'échantillonnage. Donc sur la gauche, on a une carte qui présente les 7 stations d'échantillonnage pour le poisson. On a repris la même localisation que les stations du dernier inventaire de poissons, donc en 2005. En fait, chacune des stations était composée d'un filet maillant, donc un engin de pêche qui est utilisé en milieu pélagique, donc lorsqu'il y a davantage de profondeur d'eau, donc un minimum de 2 mètres. Et c'était couplé à une bourrole, qui est un petit engin de pêche qu'on va mettre plutôt dans un milieu qui est très, très peu profond. Donc, ça nous permet vraiment d'échantillonner tous nos habitats puis de capturer toutes les espèces présentes au lac Saint-Charles. Sur la carte de droite, maintenant, c'est les 6 stations d'échantillonnage qui ont été utilisées pour le plancton, donc le phyto et le zooplancton. En fait, c'était divisé en deux sous-groupes. Donc, on a 3 stations en milieu littoral, c'est-à-dire des stations qui sont près de la rive, et 3 stations en milieu pélagique, donc plus au centre du lac. Donc, on va faire un petit peu comme avec les cours d'eau. Je vais vous présenter les bioindicateurs en partant de la base de la chaîne alimentaire et en montant. Donc, en partant, ben, c'est le phytoplancton. Donc, le phytoplancton qui sont nos micro-algues qu'on va retrouver en suspension dans l'eau, notamment les cyanobactéries. Le graphique de gauche va présenter les proportions des grands groupes taxonomiques, un peu comme je vous ai présenté avec les macro-invertébrés. Donc, pour nos 6 stations au lac Saint-Charles, les 3 premières stations sur la gauche, c'est nos stations en milieu littoral, puis les 3 sur la droite sont nos stations en milieu pélagique. Ce qu'on peut voir, c'est que la communauté d'algues au lac Saint-Charles est vraiment dominée par les chrysophysées et les diatomées, qui sont des algues typiques de milieux peu perturbés selon l'indice planctonique qu'on a utilisé. On peut également voir que nos proportions de cyanobactéries, donc en rouge, ça c'est nos cyanophysées plutôt, qui est un grand groupe qui va contenir les cyanobactéries, les proportions sont relativement faibles au lac Saint-Charles malgré tout. Et on peut observer là, que la station LIT 2, donc la deuxième à partir de la gauche, a la plus grande proportion de cyanophysées. Ça, c'est une station qui est située dans la baie de l'Écho, là où la station de suivi pour les cyanobactéries de Algéro est située. Donc, c'est vraiment venu confirmer là, que c'était le bon choix de localisation pour effectuer le suivi des cyanobactéries. Donc, une fois qu'on a réussi à calculer ces proportions de grands groupes taxonomiques, on est capable de les transposer dans un indice planctonique. Donc, les résultats sont présentés dans le tableau sur la droite. Donc, les valeurs, lorsqu'elles sont peu élevées, vont correspondre à une communauté planctonique qui est peu perturbée, alors que si les valeurs sont élevées, ben ça correspond à une communauté davantage perturbée. Donc, on peut voir qu'au lac Saint-Charles, c'est représentatif d'un milieu oligotrophe peu perturbé. Ce qu'il faut mentionner, par contre, c'est qu'on a utilisé un indice planctonique européen, donc qui nous provient de France, utilisé dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, parce qu'au Québec, on n'a pas encore d'indice biotique, d'évaluation de l'intégrité biotique basée sur le phytoplancton. Donc, il est possible qu'on surévalue l'intégrité de nos communautés de phytoplancton au lac Saint-Charles, mais ça nous permet quand même là, de comparer les lacs de notre territoire dans notre étude, puis de suivre l'évolution des communautés. Par exemple, si on fait la même étude dans 5 ou 10 ans, bien, on va pouvoir comparer nos résultats. Je poursuis maintenant avec notre deuxième groupe, donc le zooplancton.
Le zooplancton, qui sont des petits organismes qu'on va retrouver dans l'eau qui vont se nourrir de particules très fines, vont également se nourrir du phytoplancton, donc ils vont manger les algues. Un groupe qui est très important pour les lacs, pour la clarté de l'eau des lacs. Ces petits organismes-là, par la suite, vont être mangés par les petits poissons. Donc, vraiment, un chaînon très important et très méconnu qu'on retrouve dans la chaîne alimentaire de nos lacs. Les graphiques sur la droite, encore là, vont nous présenter la structure des communautés. Cette fois-ci, c'est divisé en deux types de milieux. Donc, en haut, on a les milieux pélagiques, donc les milieux qu'on va retrouver plus au milieu du lac. Et en bas, on va retrouver les milieux littoraux, donc près des berges. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une bonne différence quand même dans la structure des communautés, pas entre les stations des mêmes milieux, mais entre les deux milieux. En fait, les milieux littoraux, donc en bas, vont présenter une plus grande abondance de rotifères, donc de couleur bleue sur les graphiques. Les rotifères sont du très petit zooplancton, donc qui vont filtrer des particules fines dans l'eau. Par contre, les stations en milieu pélagique, eux, vont présenter une plus grande abondance de cladocères, donc les cladocères qu'on va retrouver en rouge sur notre graphique. Puis, au travers des cladocères, on peut voir même un changement entre les deux milieux, c'est-à-dire qu'en milieu littoral, il va quand même avoir des cladocères, mais ça va être des espèces de plus petite taille, comme Bosmina qu'on a présenté à côté du graphique, alors qu'en milieu pélagique, on va avoir des cladocères de forte taille, donc, comme Daphnia. Ça, c'est la résultante d'un effet de la prédation des petits poissons du lac Saint-Charles. En fait, c'est que dans les milieux littoraux, on va avoir une abondance de structures, donc des herbiers aquatiques, des souches, des roches qui donnent vraiment un bon habitat et des bons refuges aux petits poissons. Donc, c'est vraiment une pouponnière pour le lac. On va retrouver beaucoup de petits poissons et ces petits poissons-là se nourrissent pour la plupart de zooplancton. Donc, vont vraiment prédater le zooplancton et vont s'attaquer de manière préférentielle au plus gros parce que c'est plus nutritif. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup moins dans le milieu littoral et qu'on va retrouver davantage de petites espèces qui sont davantage capables d'échapper à la prédation de ces poissons-là. Puis les grosses espèces, bon, on va les retrouver davantage au milieu du lac. On a également utilisé différentes caractéristiques de la communauté de zooplancton pour déterminer un peu l'état trophique de la communauté du zooplancton au lac Saint-Charles. Donc, on a comparé les données obtenues avec des données obtenues dans d'autres études, mais au Québec. Donc, vraiment pour comparer, par exemple, des densités de grands groupes taxonomiques, également des ratios. Puis on a pu constater là, que la communauté au lac Saint-Charles était typique d'un milieu mésotrophe, donc environ au milieu de l'état trophique pour les lacs. Je poursuis en vous présentant les résultats pour les poissons au lac Saint-Charles. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc, les poissons tels que capturés en filet maillant en 2017. Une communauté qui est largement dominée par la perche haute, donc à près de 80%. 8 poissons sur 10 qu'on capturait dans nos filets, c'était de la perche haute. Le grand brochet, lui, va représenter seulement 3% de l'abondance dans le lac. Par contre, va représenter plus de 50% de la biomasse, donc du poids des poissons capturés. Donc, une espèce piscivore, une grosse espèce qui est... pas tant abondante, mais qui a des gros spécimens. Sinon, dans les autres espèces intéressantes, on a le ménée jaune qui a environ 10% d'abondance, ce qui n'est pas énorme. Par contre, son abondance a doublé depuis le dernier inventaire réalisé en 2005. Puis, il s'agit d'une tendance là, qu'on a observée aussi dans d'autres lacs qu'on a suivis en 2017. Donc, une espèce qui semble bien s'adapter aux conditions environnementales actuelles et à la prolifération là, souvent des herbiers aquatiques dans les lacs. Sinon, j'aimerais vous mentionner notre crapet soleil qui, en filet maillant, représente moins de 1% de l'abondance. Mais représente presque 95% des captures en bourrole. Donc, vraiment une espèce qui se tient tout près des rives, donc une espèce de milieu littoral dont l'abondance aurait été vraiment sous-estimée si on avait seulement utilisé un engin de pêche, soit les filets maillants. On a également capturé un achigan petite bouche dans la station d'échantillonnage
la plus près du barrage Cyril Delage, donc dans le bassin sud. C'est venu un petit peu confirmer là, la connectivité qu'il y a entre le lac et la rivière. En fait, je parlais avec des pêcheurs quelquefois qui mentionnaient qu'ils capturaient d'achigans, surtout en aval du barrage, à l'automne et au printemps, lors des très hauts niveaux d'eau. Quelquefois, la rivière réussit à dépasser le niveau du barrage. Donc, on a vraiment une belle connectivité. Puis, il y a des individus qui peuvent passer puis aller coloniser le lac. Pour terminer, ben, on a deux autres espèces, la barbotte brune et le meunier noir, donc deux espèces benthiques, donc qui vivent principalement au fond des lacs, deux espèces aussi qui sont plus habituées à des milieux davantage perturbés, donc qui sont capables là, de vivre malgré la présence de polluants ou un peu moins d'oxygène dans l'eau. Je poursuis en vous parlant de l'évolution historique des communautés de poissons au lac Saint-Charles. Donc, on a un graphique sur la gauche qui va représenter la proportion des espèces selon leur niveau de tolérance aux perturbations pour les trois derniers inventaires de la communauté de poissons au lac Saint-Charles, donc en 1983, en 2005 et en 2017. On peut voir qu'il y a un important changement qui s'est opéré entre 1983 et 2005, soit la disparition de nos espèces intolérantes aux perturbations. En fait, en 83, lors de cet inventaire, il y avait encore du touladi au lac Saint-Charles, espèce qui est disparue, donc une espèce, en fait, un salmonidé, donc une espèce qui a quand même des besoins d'une eau de très bonne qualité, donc très oxygénée et fraîche, qui est disparue au profit d'une plus forte abondance là, d'espèces tolérante aux perturbations. On peut voir qu'en 2005 et 2017, en ce qui a trait à ce tableau-là, à ce graphique-là plutôt, les deux inventaires sont très similaires. Par contre, je vous invite à regarder le tableau sur la droite. Le pourcentage de poissons piscivores, qui est principalement lié à l'abondance du grand brochet, a plus que doublé en 2005 et 2017. Donc, on passe de presque 1,5% à plus que 3%. Ça s'est répercussionné sur l'abondance des poissons au lac Saint-Charles, donc la CPUE, les captures par unité d'effort. Donc, en fait, c'est le nombre de poissons qu'on capture par filet. En 2005, on était environ à 150 poissons, alors qu'en 2017, 75, donc une diminution de 50%. Si on analyse un peu toutes les caractéristiques de la communauté de poissons au lac Saint-Charles en 2017, encore là, on obtient un score là, qui qualifie cette communauté d'une communauté typique d'un milieu mésotrophe, donc environ au milieu de l'état trophique. Je termine avec un wrap-up un peu des résultats pour le lac Saint-Charles. En fait, comme j'ai pu le mentionner, il n'y a pas vraiment d'indices biotiques qui sont développés au Québec pour analyser l'intégrité des lacs. Pas du moins avec les bio-indicateurs qu'on a utilisés. Donc, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, ben, c'est d'y aller couche par couche. Donc, on analyse différentes couches d'informations, le phytoplancton, le zooplancton, les herbiers, le poisson, pour avoir vraiment un meilleur portrait de la situation. Comme on peut voir ici, le phytoplancton est un peu décalé par rapport à nos trois autres indicateurs. Comme je l'ai mentionné, il est possible que ce soit en raison d'une surestimation de l'intégrité à cause qu'on a utilisé un indice européen, mais c'est possiblement aussi une situation qui est normale. En fait, c'est normal que nos paramètres réagissent différemment dans un lac. En fait, il faut analyser la situation globalement puis tirer une moyenne de ça. Donc, si on le fait, on peut voir que notre lac Saint-Charles peut être considéré comme un lac rendu à un stade trophique typique d'un milieu mésotrophe, donc un vieillissement d'âge moyen si on parle en termes d'âge de lac. Là, ça, c'est bien beau, parfait. On a évalué un peu l'état du lac. Par contre, si on veut voir son niveau d'intégrité, donc son niveau de perturbation, bien, il faut être capable de comparer l'état actuel à un état de référence. Donc, lorsque le lac était jeune, si on peut parler ainsi, ou avant de commencer à être perturbé par les activités humaines. Donc, ça prend des données historiques.
On a pu tout d'abord analyser les données de la communauté de poissons lors du premier inventaire. Donc, on a quand même réussi à remonter à 1983. Ça nous a démontré que cette communauté-là était davantage typique d'un milieu oligomésotrophe. Donc, il y a quand même eu un changement dans les communautés. On a également utilisé l'indice MILQ, comme Sonia l'a mentionné là, dans l'introduction. En fait, c'est un indice paléolimnologique. Donc, on va utiliser les sédiments qu'on retrouve au fond des lacs pour analyser les fossiles de diatomées et d'autres paramètres pour être capable d'évaluer l'état trophique du lac et d'être capable de remonter quand même très loin dans le passé. Donc, on était capable de se rendre avant même le développement alentour du lac. Et à cette époque-là, les communautés typiques étaient typiques d'un milieu oligomésotrophe. Donc, vraiment, notre état de référence, c'est oligomésotrophe. On est rendu davantage à une communauté typique d'un milieu mésotrophe. Donc, il y a eu un déplacement qui n'est pas énorme, mais qui est quand même là, ce qui nous permet de dire que l'intégrité au lac Saint-Charles, on peut la qualifier de moyenne. Donc, vraiment, loin d'être trop tard. Par contre, on a pu voir qu'il y a eu quand même un changement dans le temps. Je termine en faisant un petit topo de nos résultats en cours d'eau et en lac. Donc, tout d'abord, en cours d'eau, cette étude-là nous a permis de constater qu'il y a une belle abondance quand même d'indices d'évaluation de l'intégrité biotique au Québec. Je parle notamment de l'IDEC et de l'indice de santé du benthos, donc qui sont des indices vraiment développés pour nos écosystèmes, puis qui ont une belle sensibilité, une belle précision dans l'évaluation des milieux. En ce qui a trait à l'IDEC, donc les diatomées, le résultat vraiment le frappant de cette étude-là, c'est une baisse de l'intégrité des communautés dans un tronçon amont à aval pour chacun de nos cours d'eau. Donc, quelque chose qu'on observait à chacun des cours d'eau qui ont été échantillonnés. Par contre, il reste encore peut-être un peu de sensibilisation, d'éducation à faire sur qu'est-ce qu'est une diatomée. Donc, peut-être un peu des bioindicateurs, peut-être un peu moins connus du public. Pour ce qui est des macro-invertébrés, on a pu voir que l'utilisation du protocole à substrat grossier avait peut-être une moins grande sensibilité pour les conditions qu'on a observées sur notre territoire. Par contre, c'est un indice qui est super intéressant parce qu'on peut le décortiquer en différents sous-indices. On peut analyser la structure de communauté comme on le fait et ça peut être utilisé également d'une manière éducative, c'est-à-dire que c'est des organismes vivants qu'on va retrouver dans le fond de l'eau. Donc, qui peuvent être très intéressants à montrer aux enfants, puis à les initier justement au suivi en environnement dans les cours d'eau. Pour terminer, les poissons, nous, vraiment, on a pu confirmer en fait que l'ombre de fontaine était représentative d'une bonne intégrité biologique dans nos cours d'eau, puis on a pu voir les secteurs où elle se trouvait. Si on regarde maintenant l'évaluation des lacs, tout d'abord, il faut souligner qu'il n'y a pas énormément d'indices encore d'évaluation de l'intégrité développés pour les lacs au Québec. Il y a la fameuse indice MILQ, donc l'évaluation paléolimnologique des diatomées. Par contre, c'est une méthode quand même qui demande une grande expertise, donc qui demande la datation des sédiments puis de l'identification de fossiles. Une méthode qui a vraiment des super beaux résultats, par contre, c'est ça. Peut-être une expertise un peu plus poussée. Donc, ce qu'on a fait, nous, lors de cette étude-là, c'est qu'on est allé vraiment par couche d'information. On a pu voir que nos communautés de phytoplancton étaient relativement homogènes au lac Saint-Charles, que les proportions de cyanofysés, donc qui contiennent les cyanobactéries, n'étaient pas énormes dans la communauté. Donc, ça, c'était quand même une bonne nouvelle. En ce qui a trait aux zooplanctons, on a pu voir vraiment qu'il y a un effet structurant de la part de la prédation effectuée par les poissons. Donc, un effet d'un autre palier du réseau trophique sur le zooplancton. Puis, si on parle des poissons, on a pu constater qu'il y a vraiment eu une évolution dans les populations au cours des 3 derniers inventaires, qui semble cependant s'instaurer tranquillement pas vite une stabilité au sein de cette communauté-là. Suite à l'introduction du grand brochet dans les années 90, qui semble, en effectuant une pression de prédation, davantage réguler
l'abondance des différentes espèces au lac Saint-Charles. Donc, je termine en vous remerciant de votre attention, en remerciant également tous nos collaborateurs lors de ce projet-là. Ça a vraiment pris beaucoup d'expertise, une expertise diversifiée pour mener à terme ce grand projet-là. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter le rapport, à aller voir les recommandations. Le rapport est articulé alentour de différents chapitres. Chacun des lacs a été suivi et un chapitre pour les cours d'eau. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vais recéder la parole à mes collègues chez Agiro. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette très belle présentation. Pendant, il commence à avoir, je vais laisser les gens décrire les questions. Jusqu'à date, je vois une seule question. Donc, on va aller direct sur la question de Lou Paris. Pourquoi vous n'avez pas étudié les deltes chez les poissons, déformation, érosion, lésion, tumeur? Une bonne question. En fait, on les a analysés, ils n'ont pas été présentés. Mais on les a analysés, là, les deltes, qui sont en fait, ce sont des anomalies où justement l'état des poissons, l'état de santé des poissons font partie souvent des indices d'intégrité biologique des communautés de poissons, sont utilisés par le ministère de l'Environnement. On les a utilisés pour développer notre propre indice d'intégrité. Par contre, ce n'est pas ressorti comme une des métriques, donc des caractéristiques qui étaient le plus liées à la santé environnementale de nos cours d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas conservé dans notre indice biotique. Merci beaucoup. J'ai débuté beaucoup de belles commentaires, de félicitations pour la présentation. Je n'ai pas d'autres questions tout de suite, mais j'ai envie de vous en poser une. Donc, avec ce que vous avez présenté, est-ce que selon vous, il est trop tard pour agir pour protéger le lac Saint-Charles? Non, je pense que c'est une des conclusions de cette étude-là, justement. Si on retourne là, au tableau, je présentais les différentes couches d'informations pour le lac Saint-Charles. T'sais, on a un déplacement des communautés typiques d'un état peut-être oligomésotrophe à mésotrophe, là, mais on est loin d'être rendu trop tard. Puis le lac Saint-Charles, ce n'est pas un écosystème qui est tant dégradé que ça. On sait qu'il y a certains problèmes, notamment des plantes envahissantes ou des floraisons de cyanobactéries, mais ça peut être ralenti, diminué, même peut-être contrecarré par des efforts de restauration puis des efforts pour limiter justement des apports en nutriments vers le lac. Donc, essayer de cesser son engraissement. Parfait. Merci beaucoup. Depuis, j'ai reçu une autre question de la part de Lou Paris. Pour l'étude par les macro-invertébrés, avez-vous utilisé l'identification jusqu'au genre ou à la famille? Bonne question. On a fait l'identification nous-mêmes chez Agiro. On s'est donc limité à la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a un protocole également qui est développé pour le substrat meuble. Donc, par exemple, pour les stations où on retrouve majoritairement du sable. Par contre, là, on nous avait conseillé peut-être d'utiliser seulement un des deux protocoles lorsque je parlais avec les gens du ministère pour s'assurer là, de la validité de nos résultats. Parfait. J'ai une autre question ici. En fait, c'est une question en deux temps de Chantal Larochelle. On va commencer par la première. Quel indice d'intégrité avez-vous utilisé pour le zooplancton? Alors, en fait, ce n'est pas un indice d'intégrité en soi. Alors, il faudrait que je retrouve exactement quelle étude. Là. C'est une étude qui a été réalisée dans différents lacs dans les Laurentides pour lesquels il y avait... analyser justement toutes les différentes caractéristiques des communautés qui avaient lié ça avec l'état trophique des lacs. Donc, ça nous a donné des valeurs seuil, par exemple, pour un lac oligotrophe. Par exemple,
L'abondance des Daphnia, ben c'est, je donne des chiffres comme ça, là, mais 5 Daphnia par litre. Pour les Bosmina, on va retrouver 10 Bosmina par litre. Donc, on a vraiment des valeurs pour lesquelles on pouvait comparer ce qu'on avait échantillonné dans nos différents lacs, puis les comparer à des lacs québécois qu'on retrouve quand même dans des conditions relativement similaires. Donc, il n'y a pas encore d'indice biotique là, de développer non plus pour le zooplancton au Québec. Merci. Donc, la deuxième question de Chantal Larochelle, si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'y répondre, je peux répondre. C'est l'herbier aquatique n'a pas été présenté. Avez-vous remarqué un changement dans la communauté végétale? Oui, ben en fait, oui, je vais laisser Sonia le présenter. C'est qu'au lac Saint-Charles, ça avait été échantillonné quelques années auparavant, donc on n'a pas voulu rééditer ça parce que c'est quand même vraiment beaucoup d'efforts. Donc, je te laisse parler, Sonia. En fait, l'étude des herbiers aquatiques au lac Saint-Charles a été réalisée en 2007, 2012 et à nouveau en 2016. Le plus grand changement qu'on a vu entre 2007 et 2012, c'est une prolifération massive de plantes aquatiques, notamment la myriophylle à épi, qui est passée à couvrir à 40 % le bassin sud du lac Saint-Charles, qui a seulement un maximum de profondeur de 5,5 mètres. Et il a colonisé plusieurs parties du lac Saint-Charles, notamment dans le nord, vers les marais du nord, avec aussi une prolifération importante de l'Élodée du Canada, avec quand même encore une assez bonne biodiversité. On n'a pas vu un changement important entre 2012 et 2016. Faut dire aussi que les conditions n'étaient pas tout à fait pareilles, mais les changements qu'on a vus entre 2012-2016, c'est pas tant une différence dans la communauté, mais plus davantage de périphytons, des micro-algues qui s'attachaient aux plantes aquatiques, qui pourraient potentiellement être un signe d'une quantité d'éléments nutritifs peut-être importante dans la colonne d'eau, et que ça peut entre autres expliquer pourquoi qu'il y avait il y avait entre autres peut-être moins de cyanobactéries dans la colonne d'eau et d'autres phytoplanctons dans la colonne d'eau parce qu'il y a une espèce de compétition qui s'est faite par rapport aux périphytons et les phytoplanctons dans la colonne d'eau. Et on a aussi, en fait, ça c'est vraiment une hypothèse très, très récente qu'on souhaite étudier dans les prochaines années. Nous avons réalisé les dernières années une étude avec le MELCC d'une revue de la littérature, à savoir quel est l'impact positif ou négatif potentiellement de la prolifération de myriophylle à épi sur des lacs. Et un élément qui a été étudié en laboratoire beaucoup les dernières années, c'est que le myriophylle à épi émet un cyanocide, donc une toxine, qui tue les cyanobactéries, notamment l'anabaena et le microcystis. Donc, on voudrait vérifier s'il y a un moyen de répliquer ces résultats en laboratoire au lac Saint-Charles pour en savoir un peu plus comment que le myriophylle à épi peut avoir joué un rôle d'effet sur la communauté phytoplanctique. Donc, pour terminer, on a vu un très grand changement entre 2007 et 2012, ce qui a fait qu'on a sonné un peu l'alarme suite à 2012, mais pas une grosse différence entre 2012 et 2016, qui est l'année de référence pour l'étude que Alexandre nous a présentée. Je vais voir, depuis ce temps-là, il y a une autre question qui est rentrée. Charles Meunier, merci pour votre présentation. Cette étude s'inscrit dans une étude plus large et j'aimerais avoir une idée de l'ensemble des travaux en cours. Aussi, est-ce que vous envisagez produire une sorte de guide pour aider les OBV ou groupes de citoyens qui aimeraient suivre l'état de leur lac au cours d'eau ou cours d'eau un peu partout au Québec? Je vais tenter une réponse, puis après ça, je vais laisser Alexandre. En fait, au lac Saint-Charles, effectivement, le suivi de la qualité d'eau s'inscrit dans un programme de suivi de la qualité d'eau long terme avec des cycles aux 6 ans, où ce que aux 6 ans, on vérifie si on a atteint les objectifs et les besoins de connaissance des acteurs, autant les citoyens que les élus et les fonctionnaires.
et on vérifie aux 6 ans si on les a atteints et s'il y a des nouveaux besoins de connaissances qui sont ajoutés pour essayer de rester tout le temps au-devant de ces questions-là. À l'heure actuelle, alentour du suivi régulier du lac Saint-Charles, nous sommes en collaboration avec une étude avec l'Université de Montréal, avec le projet ATRAPE sous la direction de Sébastien Sauvé, à savoir de quelle façon la physicochimie du lac peut avoir un impact sur le phytoplancton, notamment les cyanobactéries, et leur potentiel à développer des toxines basées sur leur environnement limnologique et basées sur leur ADN. Ça, c'est une vaste étude qui dure depuis 4-5 ans et pour laquelle on va commencer à analyser les résultats dans les prochaines années. Donc, savoir quel est le potentiel réel des cyanobactéries de produire des toxines au lac Saint-Charles en fonction des souches qu'on a là-bas et en fonction des conditions alentour de tout ça. Il y a d'autres projets qui seront annoncés prochainement. On a encore beaucoup de données à analyser. Donc, on vous ferait envoyer l'information. Pour ce qui est du guide, je vais laisser Alexandre répondre. Chez Agiro, ce n'est pas directement dans nos plans. Par contre, la méthodologie est dans les rapports pour lesquels on a partagé le lien. Et on espère qu'on a resté assez détaillé pour que ça puisse être répétable jusqu'à un certain point. Alexandre, si vous voulez ajouter. Oui, merci Sonia. C'est une bonne question, une vaste question en fait pour un groupe de riverains qui voudraient faire le suivi de son lac en utilisant un peu ce qu'on a fait. Il y a des choses, je pense, qui peuvent être relativement facilement faites, d'autres moins parce que il faut faire affaire avec des laboratoires souvent pour l'identification des organismes. Je parle notamment si vous voulez suivre l'état de santé de votre lac. Il faut également suivre l'état de santé de son bassin versant. C'est là où vont se trouver les tributaires, donc qui vont apporter l'eau au lac. C'est là où on va analyser justement les diatomées et les macro-invertébrés. En ce qui a trait aux diatomées, comme je l'ai mentionné, l'échantillonnage est super simple. Donc, il y a un protocole là, qu'on peut retrouver facilement sur l'Internet pour faire le suivi de l'IDEC. Par contre, pour ce qui est de l'identification des cyanobactéries, ça prend vraiment une grande expertise. Même nous, on a passé par quelqu'un à l'externe pour réaliser cette identification-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est des organismes qu'on échantillonne une seule fois dans la saison, donc vers la fin de l'été. Puis ça demande quand même une grande préparation pour ce qui est de l'échantillonnage. Pour ce qui est des macro-invertébrés, l'échantillonnage est un petit peu plus complexe, mais c'est quand même pas si pire que ça non plus. Encore là, tous les protocoles sont disponibles sur Internet. Là, si vous cherchez échantillonnage de macro-invertébrés, ministère de l'Environnement, ça va vous sortir le protocole dont je vous ai parlé aujourd'hui. L'identification, encore là, ça prend une certaine expertise. Je sais qu'il y a certains groupes environnementaux qui donnent des formations, par exemple le G3E. Peut-être que justement, vous pouvez collaborer avec un OBV également pour voir s'ils ne peuvent pas vous donner des ressources par rapport à ça. Nous, on le fait à l'interne. Par contre, ça prenait quand même un binoculaire pour grossir un peu les macro-invertébrés pour faire leur identification. Mais le ministère rend quand même là, disponible au grand public une clé d'identification qui est assez simplifiée, mais tout de même, ça prend quand même un œil averti. Pour ce qui est de l'échantillonnage en lac, c'est sûr que pour le phyto et le zooplancton, ça prend des outils comme par exemple pour le phytoplancton. Nous, on avait un échantillonneur alpha, donc qui est une espèce de bouteille qui nous permet d'échantillonner l'eau à la profondeur désirée, puis on envoie un messager pour séquestrer l'eau. Après ça, pour ce qui est du zooplancton, ça prend un filet à zooplancton. Puis, pour ces deux types d'organismes-là, ça prend quand même des analyses d'identification en laboratoire. Donc, il faut faire appel à un laboratoire externe pour identifier ça. Pour les analyses, après ça, des composantes des populations, des communautés, on retrouve quand même toute l'information sur Internet.
sans problème. Puis je pense que c'est mentionné justement là, pour ce qui est du phytoplancton, quel indice précis on a utilisé. Puis pour ce qui est du zooplancton, ben, on fait référence à l'étude là, qui a été menée au Québec. Puis pour ce qui est des poissons, ben là, c'est sûr que ça prend, nous, en fait, on a collaboré avec le ministère de Forêt, Faune et Parc pour le prêt de matériel de capture. Donc, ça prend des filets maillants. Bien entendu, il faut demander au ministère aussi pour réaliser des pêches expérimentales. On ne peut pas s'improviser. Donc, ça prend quand même une grande préparation là, pour réaliser ces inventaires-là. Ce qui peut être fait par des riverains de lac, par contre, suite à une formation, là, c'est un suivi, par exemple, des espèces exotiques envahissantes, notamment des plantes. Donc, pour être sûr que vous ne vous fassiez pas surprendre par la présence, par exemple, justement, du Myriophylla épi. Donc, il peut y avoir un suivi. Il y a des protocoles pour se fabriquer soi-même un aquascope à la maison. C'est relativement simple. Sinon, ben, vous pouvez vous inscrire au réseau de surveillance volontaire des lacs si vous avez une association riveraine de lacs, puis envoyer des échantillons d'eau pour avoir au moins des données sommaires là, de qualité de l'eau, le phosphore, la chlorophylle A, le carbone organique dissous. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites là, par des riverains de lacs. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai reçu quelques petites autres questions. En fait, je vais pouvoir y répondre. Y a-t-il une occupation du territoire qui soit agricole dans ce bassin versant-là? En fait, très, très peu. Et il y a des petites mini-activités agricoles ici et là, plus d'élevage de chevaux, des fois des élevages de chiens, mais aucune d'activité agricole qu'on puisse vraiment, je dirais, attribuer aux changements qui s'opèrent dans le bassin versant. L'autre question, je pense, c'était, OK, est-ce qu'en lien vers l'étude laboratoire présentant les toxines des Myriophylla épi, nous allons, je vais retrouver les références, puis on va les mettre en lien dans le chat par après, ou bien vous pouvez aussi nous écrire à info@agiro.org pour qu'on puisse vous transmettre l'information. Et ensuite, j'ai une autre question ici. Quelles sont les hypothèses formulées sur les impacts possibles entre les installations septiques autonomes et les risques de détérioration de la qualité de l'écosystème du lac Saint-Charles? Alexandre, est-ce que vous voulez répondre à ça? Oui, ben, je peux commencer, puis tu poursuivras, là. En fait, les installations septiques autonomes, bon, rejettent dans l'environnement des nutriments. Bon, sont pas nécessairement spécialisés pour éliminer complètement le phosphore. C'est plus, vont s'attaquer surtout aux coliformes fécaux. Donc, même une installation septique qui est en bon état risque de produire quand même des nutriments qui s'en vont vers le lac. Puis, ben, on ne parle pas des installations septiques autonomes qui ne sont pas conformes puis qui en rejettent en masse. Donc, ce que ça fait par rapport à l'intégrité, c'est que ça rajoute des nutriments dans notre lac. Donc, on enrichit l'eau de notre lac, ce qui augmente le processus d'eutrophisation. Donc, on va augmenter la biomasse des plantes aquatiques et des algues. Ces plantes-là, ben, ce qu'ils font, c'est qu'à la fin de la saison estivale, vont mourir, vont se retrouver au fond du lac, vont devoir être dégradés par des microbes. Ceux-ci, ben, consomment de l'oxygène. Donc, ça enlève un peu d'oxygène au fond du lac. Donc, on commence à avoir des zones d'hypoxie, d'anoxie. Puis là, ben là, on peut avoir un effet sur notre biodiversité dans notre lac. Par exemple, des espèces de poissons qui ont des exigences élevées en oxygène. Je pense notamment au lac Saint-Charles, à notre espèce de Salmonidés qui avait en 83, là, tout l'a dit, qui avait vraiment des exigences très élevées en termes d'oxygène, ben, qui est disparu probablement suite à l'apparition de certains symptômes d'eutrophisation au lac Saint-Charles. En fait, et j'aimerais renchérir, c'est qu'on a quand même un nombre important d'installations septiques autonomes, non seulement alentour du lac Saint-Charles, mais tout au long des rivières qui ont été étudiées. Et il faut aussi tenir compte du fait que les installations septiques autonomes n'ont pas été conçues pour réduire les teneurs en azote. Donc, on a également comme élément nutritif qu'on voit beaucoup, c'est l'azote. Et l'azote, il y a plusieurs effets.
dont, entre autres, ils contribuent à la désoxygénation des lacs quand il y en a trop. C'est des mécanismes assez complexes. Mais on a donc aussi l'apport d'éléments nutritifs autres que le phosphore, dont l'azote, qui ont plusieurs effets, en fait, sur la composition des espèces de phytoplancton et aussi des plantes aquatiques. Donc, c'est un peu comme de l'engrais maison qu'on utilise pour les jardins. Selon quel type d'engrais qu'on utilise, à quelle composition, mais il va favoriser plus une plante versus une autre. Donc, c'est la même chose pour un milieu aquatique. Donc, il faut réduire tous les éléments nutritifs qui se rendent dans un lac. Et en plus, l'azote va avoir un effet par rapport à ses processus physico-chimiques dans un lac à contribuer à la désoxygénation, des pertes d'oxygène dans un lac, on va utiliser comme ça. Et aussi, un élément qui nous inquiète par rapport aux installations septiques autonomes, c'est qu'elles ne sont pas non plus conçues pour filtrer les résidus, entre autres, de médicaments sur lesquels on a de plus en plus de manifestations que ça a des effets sur toute la chaîne trophique, donc réduit la résilience à l'écosystème de faire sa job d'épurer les lacs des résidus des humains. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a deux usines de traitement d'eau usée aussi, à étang aéré, qui sont en amont du lac Saint-Charles, une qui se verse entre le lac de l'Age et le lac Saint-Charles dans les marais du Nord, donc tributaire direct au lac, et une à quelques centaines de mètres en amont du lac Saint-Charles sur la rivière des Hurons. J'ai une autre question ici. Y a-t-il de l'ensemencement d'ombles fontaines dans les cours d'eau? Si oui, comment les avez-vous considérés dans votre évaluation? Et ça va être la dernière question parce qu'on est déjà un petit peu au-dessus, mais je pense qu'on va avoir quand même réussi de répondre à toutes les questions tant qu'à vous avoir, Alexandre. On va en profiter. Merci, c'est une bonne question. Oui, il y avait eu quelques ensemencements d'ombres de fontaines dans la rivière des Hurons. On n'avait pas exactement la localisation précise. On en avait parlé avec nos collègues au MFFP. Par contre, là, on n'a pas fait, je dirais, là, une analyse statistique là, pour traiter là, cet apport-là là, de truites qui pourrait être supplémentaire par rapport aux populations naturelles. De toute manière, dans nos communautés de stations au nord, ce qu'on voyait vraiment, c'était une grande abondance relative d'espèces de bonne qualité, pas seulement de l'ombre de fontaine, mais des espèces associées là, comme du naseux de rivière qui lui aussi est associé à des bonnes conditions. Mais c'est une excellente question. Puis on se l'était posé, mais on n'avait pas assez de données précises là, pour vraiment ajouter ces données-là à notre analyse statistique. Donc, merci beaucoup, Alexandre, pour avoir fait ce colossal travail de planifier et exécuter cette étude d'envergure, de l'avoir interprété les résultats et de nous avoir fait un résumé en moins de 40 minutes de travail de plusieurs années. Donc, faites-nous plaisir, consultez l'étude dans ses détails, ça va nous faire plaisir, puis vous allez trouver beaucoup d'informations supplémentaires que vous recherchez. Donc, merci encore une fois à Alexandre et j'aimerais annoncer pour ce qui s'en vient, donc le 10 mars, déjà demain, à 12h30, une présentation de la directrice générale d'Agiro, Mélanie Delonchamp. La question, votre source d'eau potable est-elle menacée? Le lac Saint-Charles, un trésor à protéger, puis on a divulgué un scoop aujourd'hui. Ça vaut la peine de le protéger. Il n'est pas trop tard, mais je vais laisser Mme Delonchamp présenter les détails demain. Donc, merci de vous revoir bientôt et merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir.